Salut à tous, dit Tonton Fred, épisode 63. Je reviens sur un point que j'ai abordé rapidement dans l'épisode 62, le ASCII Art. ASCII, c'est American Standard Code for Interchange Information, ou Information Interchange. C'est un ensemble de caractères qui permettent à tous les ordinateurs de savoir quel caractère correspond à quel code. Parce que les ordinateurs, c'est bête et méchant, ça comprend du 0 et du 1. Donc automatiquement, après on passe en plus haut, ça donne des nombres que l'humain peut lire. Et l'ordinateur a besoin de ces nombres pour savoir, pour lui dire par exemple, dans tel fichier, ce code correspond à la lettre A majuscule, celui-là correspond à la lettre B minuscule, et ainsi de suite. Donc l'ASCII a été développé justement pour que les ordinateurs puissent communiquer, juste avant que d'autres formats plus complexes arrivent. Et basé sur ça, à l'époque, les ordinateurs, c'était souvent des petits machins, branchés sur des gros serveurs, il y a les personnes qui avaient envie de développer un petit peu d'art ont décidé de créer ce qu'on appelle le ASCII Art. C'est prendre en clair les caractères et faire des dessins avec. Et parfois, ça peut donner des résultats énormes. Bien sûr, il faut se mettre à une certaine distance. Je vous mettrai quelques exemples dans le descriptif. Mais c'est incroyable ce qu'on peut faire simplement avec les lettres majuscules, les lettres minuscules, les caractères de ponctuation. Et les chiffres, en gros les trucs les plus souvent utilisés, ce qu'on trouve sur le clavier. Donc le ASCII Art, c'est une volonté de reproduire de manière un peu artificielle, mais tout ce qu'on peut, tout ce qu'on a envie. Il y a des personnes qui peuvent s'amuser à reproduire la Joconde dans l'ASCII Art. Et oui, ça existe, je vous mettrai des liens, vous allez voir, c'est incroyable. Il y a même un logo de Wikipédia en ASCII Art qui fait presque 8000 caractères. Dans une grille de je ne sais plus combien, Mais de loin, si on s'éloigne, ça fait vraiment le logo de Wikipédia. Vous n'imaginez pas le boulot que c'est. Donc le ASCII Art, c'était popularisé avec certaines scènes, comme on appelle les scènes, c'est-à-dire les petites réunions de crackers, de pirates, de hackers des années 80-90. C'était développé ainsi. Donc le ASCII Art, c'est une espèce d'art informatique. Voilà, j'espère que j'étais assez compréhensible, c'était pas super évident d'en parler. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.